Amélie, des médiathèques d'Annecy. Aujourd'hui, je vais vous présenter la sélection Échappée Libre 2021. L'Échappée Libre, c'est une sélection de 5 romans pour les enfants. L'Échappée Libre, c'est aussi un parcours d'éducation artistique et culturelle organisé conjointement avec l'Éducation nationale pour les classes de CM1 CM2. Le premier livre de la sélection, 226 bébés de Fleur Vesco. 226 bébés, c'est l'histoire de Berthe qui habite sous un corridor de cigogne et régulièrement, dans son jardin, il récupère des bébés. Le problème de Berthe, c'est que les bébés, il les supporte pas. Il va donc chercher à s'en débarrasser. Fleur Vesco, pour 226 bébés, elle a participé au feuilleton des Incorruptibles. Le feuilleton des Incorruptibles, pour un auteur, c'est écrire un chapitre après l'autre, l'envoyer aux Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est des classes de CM1, CM2 qui donnent leur avis sur le chapitre et font remonter leurs critiques à l'auteur. Le deuxième livre de la sélection, Par le lac, par la forêt, d'Alex Cousseau. Ce livre est publié dans la collection Boomerang aux éditions Durouer. Côté pile, notre héros va passer par la forêt. Côté face, il va passer par le lac. Il va rencontrer les mêmes personnages mais vivre des aventures totalement différentes. Le troisième livre de la sélection, Les loups du clair de lune, de Xavier Laurent Petit. C'est le deuxième opus d'une série qui s'appelle Histoire naturelle. Et dans cette série Histoire naturelle, on oscille entre le récit documentaire et le roman d'aventure. Pour les loups du clair de lune, on retrouve Anna dans le bush australien et on va y découvrir les mystères de ces animaux. Le quatrième livre de la sélection, Eddie Cyberchien. Pour son premier roman, Alice Dezier, elle se lance dans la science-fiction. Eddie Cyberchien, c'est l'histoire de Samuel qui vit dans un monde où les animaux ont disparu. Et pour animal domestique, il a Eddie, cyberchien, c'est un hologramme. Et quand Eddie, un soir, il veut plus s'allumer, Samuel va décider de partir en croisade pour retrouver son chien. Et le dernier livre de la sélection, Le couscous de Noël, d'Elisabeth Benoît-Morelli. C'est de nouveau un premier roman. Et pour ce premier roman, on part à Marseille, où Jules y vit avec sa maman et son grand-père. Et un soir, il découvre que son grand-père commence à lui faire des cachotteries. Et ça, Jules, ça lui plaît pas du tout. Il va donc décider, avec sa meilleure amie, de mener l'enquête pour savoir ce qui se trame chez son grand-père. Vous pouvez retrouver une vidéo de présentation pour chacun des livres de la sélection sur le blog Échappée Libre, très prochainement.